te demandais ce que je faisais hein, le 1er octobre. C'est ici que ça se passait. Je suis venu ici avec mes complices parce que fallait que je fasse des choses à la cachette. T'es assez blite. Mais en tout cas, j'espère que tu vas aimer ça parce que moi, j'ai eu du fun à l'organiser. Puis le cœur me dévore juste à regarder ça aussi. Fait que, à bientôt. Parler souvent. Oui, moi, c'est la même chose. Patrick, je suis enchanté de te rencontrer. Moi aussi, Joseph. Vraiment. Bonjour, moi, c'est Patrick. Salut. Merci d'être là. Bravo. J'ai assis les trois enfants ensemble, les deux enfants de Valérie. Guylaine? Cheers. De bonheur. La tangente a toujours été là, oui. Et bientôt 6 ans. C'est le
fun. T'as bien tout drôle. T'sais. Je m'attendais à quelque chose de n'importe quoi. Je t'avais dit quelque chose de festif. Tout était possible. Parce que là, on va passer à la prochaine étape dans la soirée. Ah, oui. On va faire nos échanges de vœux. Toi, tu as tout préparé, moi. Ben, tu verras qu'est-ce que tu as le goût de faire. Je vais dire ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai. Puis tu verras si tu as le goût de parler. Si tu n'as pas le goût de parler, c'est correct. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Guy François Tanguay, le conjoint de la très belle Lucie, la maman de la très belle Guinette. N'est-ce pas qu'elles sont jolies? Oui. Mais là, je me suis demandé pourquoi m'a-t-il demandé ça à moi? Et là, j'en suis venu à la conclusion que ma réputation m'avait précédé. Et oui, je fréquente les églises depuis fort longtemps. Mais soyez rassurés, je ne chante pas la messe. Mais je chante à la messe, ayant été membre de diverses chorales. Lorsque nous habitions au Bois-Briand et que j'étais un simple voisin anonyme pour Lucille, déjà Jean-Pierre, à mon insu, m'avait surnommé le curé d'à côté. J'invite donc Guylaine et Jean-Pierre à venir me rejoindre ici à l'avant, s'il vous plaît. Merci. Je ne suis pas une vedette, fait que ça va peut-être être difficile. Comme je disais à plein de gens tantôt, lors de mon mariage, j'ai été le gars le plus ému dans l'église. Fait que là, je vais essayer de parler sans trop pleurer. Si je pleure, je vais essayer que ça ne dure pas trop longtemps. Fait que, est-ce que tu me permets juste de parler un petit peu avant que je m'adresse à toi, juste un petit peu aux gens qui sont ici? Écoutez, très, 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 très touché, c'est d'autre bord le cœur, très, très, très touché que vous soyez tous là. On a des gens, écoutez, des neveux, des nièces qui sont toujours, toujours là pour moi et pour Guylaine. Merci. On a de la famille très, très proche qui est ici, des neveux, des nièces, des enfants, des petits-enfants, des gens qu'on a rencontrés il y a bien, bien des années. Il y a des gens qui sont plus récents dans nos connaissances, à plusieurs moments. Il y a des belles petites filles, des beaux garçons ici que j'aime beaucoup aussi, là. Il y a de la famille, il y a des amis très, très, très chers, très, très, très proches qui sont tous venus ici. Il y en a qui sont venus de loin, puis c'était privilégié. Des gens qui ont marqué notre enfance à ce table-ci. On a passé du temps au petit lac Magog, puis on a vécu des très, très, très belles choses. Des gens qui étaient allés à notre premier mariage. Hein? Oui. Il y a 35 ans. Ouais. Il y a des gens qui sont extrêmement précieux à toutes les tables qui sont ici, incluant les musiciens qui sont assis discrètement derrière ici. Donc, nous, on pourrait vivre ça chez nous, faire un petit souper tranquille. On a choisi d'inviter des gens qui nous sont chers parce que on veut que vous soyez le témoin de notre amour, puis qu'on veut partager ça avec vous. La famille, c'est important, les amis, c'est important. Et c'est pour ça que vous êtes là, et on vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Est-ce que vous me permettez que je parle à la madame? Laisse-moi aller. Okay. Bien sûr. Laisse-moi aller. OK. Ton petit cœur va vite, ça va? On est toutes là. Tu me donnes ta main? Guylaine, tu vois, je vais commencer en te racontant une histoire. OK. C'est l'histoire d'un petit gars de Sherbrooke. Petit gars de Sherbrooke qui venait de finir son cours à l'université, puis il s'est trouvé une job à GM. Puis là, il est arrivé à GM à Boisbriand, puis il y a un monsieur qui l'a accueilli, qui lui a montré sa première job. Il s'appelle Pierre-André. Puis c'était un gars sociable, il était même très sociable, il me posait des questions sur le sujet même. Et il m'a fait rencontrer, parce qu'il m'a invité chez lui un bon soir, il m'a fait rencontrer sa fille. Et ça a pris quelque temps, mais à
moment donné, je me suis décidé. Tu sais, les gars, c'est un petit peu pas vite, des fois. J'ai dit, Guylaine, qu'est-ce que tu dirais qu'on allait prendre avant? Fait que Guylaine avait le cœur brisé. Puis moi aussi, j'avais le cœur brisé. On est allé se compter nos peines. C'est vrai. Puis on a fermé le bar ce soir-là. On avait arrêté plus de se parler. On était au château de l'aéroport à Mirabel. Oui, c'est vrai. Puis là, les années ont passé. Puis là, tout à coup, en 85, au mois de novembre, qu'est-ce qui est arrivé? Un beau garçon qui est venu au monde, qui est assis juste là. Il s'appelle Marc-André. Oui, qui a été celui qui vous a accueilli à la porte. Puis là, les années passent. Guylaine se met de côté totalement, complètement. Allô, ma cocotte. Tu veux-tu venir, toi aussi? Viens. Viens-t'en. Puis, Guylaine a mis de côté sa carrière pour s'occuper de moi, s'occuper de Marc-André. Tu as tout laissé de côté pour nous. Merci. Je suis devenu qui je suis aujourd'hui grâce à toi. J'ai été, à un moment donné, même trop focusé sur le travail. C'est devenu à peu près la seule chose qui comptait pour moi. Et tu as fait un wake-up call à un moment donné. J'ai fallu qu'on fasse des redressements dans notre couple. On a eu deux périodes pas vraiment faciles. On en est sorti aujourd'hui gagnant. Puis on est ici ce soir, toutes les deux. Et je suis très heureux de ça. Ouais. Puis là, je peux-tu dire qu'est-ce que je vois là en ce moment ici? Mais je vois une jolie petite fille, puis une autre jolie petite fille. Je vois une jolie grande fille aussi. Guylaine, tu es radieuse, rayonnante. Et c'est là que je veux. Il faut que je me retienne pour pas que ça sorte trop, parce que je suis plus capable de parler. Guylaine, tu as. T'es une femme de cœur. Tu m'as fait connecter à mon cœur. T'es une femme que j'adore. Tu es aussi une femme très intelligente, très déterminée. Une personne qui peut accomplir tout ce qu'elle veut dans la vie. Quand tu décides, ça arrive. Je ressens ta confiance. Je ressens ton amour pour moi. Je le sens très fort. Et c'est pourquoi je voulais qu'on renouvelle nos vœux aujourd'hui. Donc là, je vais aller vous rejoindre, vous autres. Est-ce que tu veux renouveler tes vœux de mariage avec moi? Est-ce que tu veux toujours être mon épouse aussi loin que le bon Dieu veut nous amener? Ouhou! Elle dit oui! Comme je racontais à la table, en fin de semaine dernière, je faisais une formation 3 jours. Puis j'allais aller fouiller dans des photos de famille, des photos de mon enfance, de notre vie. Je devais apporter des photos avec moi. Et puis, j'ai commencé à regarder certaines photos. Puis, par hasard, si un hasard il y a, je suis arrivée sur une photo que quand j'ai rencontré Jean-Pierre il y a 35 ans. Et Jean-Pierre joue. J'avais des cheveux à ce moment-là. Jean-Pierre jouait au squash, puis il y a une photo qui a été prise de nous deux à ce moment-là. Puis quand j'ai pris la photo avec moi, j'ai regardé la photo, ce que j'ai vu un homme qui me regardait avec tellement d'admiration, puis tellement d'amour. Puis ce qui me touche beaucoup, c'est qu'après 35 ans, bien, je vois encore l'homme qui me regarde avec tout cet grand amour-là dans son cœur, puis toute cette admiration-là. Puis Jean-Pierre, bien, c'est pour ça que je pense qu'on
on a passé des étapes de vie, on a eu des moments heureux, on a eu des moments qui ont été difficiles, on a cheminé ensemble, on est des bons partenaires. Puis aujourd'hui, ben, quand je te regarde, ben, je peux te dire que moi, j'ai encore cette admiration-là pour toi, que j'aime beaucoup l'homme que tu es. Et ce qui me touche beaucoup, c'est qu'à travers toutes ces années-là, ben, je trouve ça extraordinaire après, qu'on soit encore si près l'un de l'autre, puis qu'on connecte tellement ensemble encore, puis qu'on a des beaux projets à faire, des rêves à réaliser. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur poursuivre notre route ensemble encore longtemps. Tant et aussi longtemps que le bon Dieu voudra, en tout cas. Puis je veux dire que je t'aime beaucoup. Et il y a été un temps dans ma vie où on a vécu une période difficile, puis c'était difficile pour moi de me réengager. Et à un moment donné, j'ai dit à Jean-Pierre, laisse-moi du temps, j'ai besoin du temps, j'ai besoin de l'espace pour rebâtir cette confiance-là. Et aujourd'hui, je suis tellement fière d'avoir écouté mon cœur et d'avoir patienté parce que ça aurait été la plus grande erreur de ma vie que de partir et de te laisser derrière. Donc, hier soir, on soupait ensemble. Puis, j'ai partagé mes vœux de renouvellement de mariage avec Jean-Pierre parce que je ne savais pas si je serais capable de les faire ce soir. Je ne savais pas parler, ils vont regarder en toute la journée. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu acceptes de passer encore plusieurs années avec moi, aussi longtemps que la vie nous donnera, aussi longtemps que pour avoir encore de nombreuses surprises, vivre une belle complicité. Moi aussi, je dirais. Ouais. Tu acceptes? Oui. Je te parle. Se rasseoir, on va certainement avoir l'occasion de parler avec tout le monde. Il y a des gens qu'on a moins vus. On est désolé. On va certainement. Écoute, on est tellement contents que vous soyez tous là, là. On a hâte de vous parler. Donc là, il s'en vient plein d'autres surprises que Guylaine ne connaît pas encore. Et restez bien assis à vos chaises très bientôt. Il y aura une petite toune spéciale qui va jouer pour débuter la musique quand le band va embarquer. Puis après ça, il y a de la musique, puis ça dure un bon bout de temps. Puis il y a d'autres surprises qui viennent un peu plus tard. Fait que j'ai l'air d'un vendeur de chars usagés, mais c'est parce que j'aimerais ça que vous soyez là en un bout de temps. Fait que merci beaucoup. Je suis content d'avoir été votre témoin privilégié et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mon meilleur vœu vous accompagne. Merci. Où j'allais, c'est dans la face, tu sais. Tu vas en faire un 1 à 3? Ouais. Ça va me donner de l'énergie. Ouais. Et puis, est-ce que tu me disais quelque chose? Non? Ben non, pas de rien du tout. Je savais que t'allais avoir quelque chose, mais je savais pas quoi. Fait que c'est ça. Merci, ma candidate. Merci d'avoir pris le temps de préparer ça avec toi.
si tu veux faire l'autre bout de notre deal, ça, n'importe quand. Là? Ouais. Ça, c'est pour toi, mon amour. Il y a quelque chose que je veux te donner en premier. C'est ça ici. Ça, tu l'ouvriras comme ça, le côté couleur, OK? Si tu veux. Tu veux-tu ta petite fesse? Je chèque depuis tout. Tu veux-tu ta petite fesse, mon amour? Non? Moi, j'avais hâte que tu saches toutes les choses. C'est pas fini. Thank you.
Valérie, bravo. Bravo. Ali, leçon numéro 1, on remonte pas ses Thank you.
Thank you.